ده ما اعرف خير. Deus, é muito foda. كاينه استاذ راه داخله وقيله استاذ. بونجور مدام. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je vais commencer le cours, mais il ne faut pas que vous parliez. Hein? Vous m'entendez? Oui, t'inquiète, madame. Voilà, pour que je puisse donner mon cours. Pardon, professeur. Oui, un problème? Oui, je vais vous demander parce que je ne peux pas trouver votre cours.
Sur le site, il n'est pas enregistré. Donc, je vous demande si c'est un problème technique ou bien c'est votre stratégie. C'est Parce que. juste un problème, non, juste un problème technique en fait. Ok. Je vais Okay. démarrer maintenant le cours. De toute façon, il faut le suivre. Oui, mais parfois il y a des problèmes parce que c'est la fac. Vous savez, on ne peut pas toujours être présent. Donc, Il faut je vous être demande. présent. Non, vous n'êtes pas présent. Présent juste sur le votre. Vous allumez votre ordinateur et vous vous connectez. Oui, je sais, madame, mais parfois il y a des problèmes. Donc, je vous demande, est-ce que c'est possible que dans le futur, si on peut trouver le cours dans le site, est-ce qu'il sera enregistré? Je vais essayer, ok, je vais essayer. Oui, merci beaucoup, madame. Et les cours qui ont passé aussi, ils sont très importants, madame, parce que le premier cours. Ben, je vais essayer parce que ce qui est passé est déjà passé. Je ne vais pas le refaire. C'est déjà OK. fait. OK. Alors, pour le futur, oui, je vais essayer. Mais minimum, madame, je vous demande, est-ce que vous pouvez nous laisser un PDF ou quelque chose bah, Je pour peux vous réviser? envoyer le fichier sans audio, si vous voulez, sans OK, audio. oui, merci beaucoup. Je n'arrive pas à démarrer. Tu dis partager ma tata pas et Parce tout. qu'il n'est pas encore téléchargé, peut-être. Oui, il est déjà téléchargé. Je l'ai. Alors, on commence le cours, s'il vous plaît. Pour cette séance, je récapitule ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, on a déjà donc commencé le cours sur les statistiques descriptives. J'avais présenté la table des matières. J'avais dit qu'en quoi le programme de ce semestre porte sur trois parties. Et chaque partie se compose au moins de deux chapitres. Et que le chapitre sur les séries chronologiques, celui-là, n'est pas inclus dans le programme. Vous négligez les séries chronologiques. Mais sinon, la dernière fois, ce qu'on a fait, on a fait un chapitre sur comment former un tableau statistique. Réalisation d'un tableau. Comment former un tableau? On a vu comme quoi il y avait plusieurs types de tableaux. On avait donc soit des tableaux avec variables discrètes, c'est le cas ici. Tableau avec variables discrètes. J'avais expliqué que la variable discrète X, on l'appelle discrète parce qu'elle prend des valeurs absolues, vous voyez? Alors, j'ai donné un exemple ici.
tableau d'une variable discrète. Comment former ce tableau? C'est déjà fait la semaine dernière. On avait donc ici, dans cet exemple, plusieurs chiffres et on devait les regrouper dans un seul tableau comme celui-là. J'ai déjà expliqué, je ne reviens pas sur ce tableau-là. Ensuite, tableau d'une variable continue. Comment ça se présente? Une variable continue, elle se présente comme ça. X varie sur des intervalles de classe. X varie sur des intervalles de classe. OK? Alors, on dit que la variable est une variable continue. Donc, voilà un autre type de tableau. Soit avec des amplitudes égales de classe, c'est le cas ici, quand vous faites la différence. 20 moins 10, ça me donne 10. 30 moins 20, ça me donne 10. Vous voyez, à chaque fois, quand je fais la différence entre les deux valeurs ici, je trouve la même amplitude. Soit on peut trouver un tableau, toujours variable continue, mais des amplitudes inégales. Tout ça, c'est déjà fait la semaine dernière. Je suis en train de répéter. Variable continue, on a des intervalles de classe. X varie entre 10 et 20. X varie entre 20 et 40. On a des intervalles de classe. On dit que la variable est continue. Mais on dit que les classes sont inégales. Pourquoi inégales? L'amplitude, quand on calcule l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre ces deux valeurs, 20 moins 10, c'est un 10. 40 moins 20, c'est un 20. On voit que les amplitudes ici ne sont pas égales. Donc voilà un autre type de tableau. Je continue. Là, c'est un tableau à double entrée. La semaine dernière, j'ai expliqué comme quoi, quand on a deux variables, on peut lire le tableau à partir de deux variables, la variable x et y. On dit que c'est un tableau à double entrée. C'est-à-dire, on peut lire le tableau à travers x, comme on peut lire le tableau à travers la variable y. C'est un tableau à double entrée. Tout ça a déjà été fait. Je continue. Je suis juste en train de vous résumer ce que nous avons. Puis, ce que nous avons déjà fait. La notion de fréquence, je l'ai aussi expliquée la semaine dernière. La définition de la fréquence, la voilà, elle est encadrée. La fréquence, par définition, on divise chaque effectif Ni par l'effectif total. Voilà un exemple. Voilà l'exemple. On veut calculer la fréquence. On divise chaque Ni. 20 par la fréquence totale qui est 200. Voilà la colonne de calcul. Pour chercher la fréquence relative, on divise chaque Ni, par exemple 20, par le total. La même chose, 30 par le total. Voilà la limite. Et on a des pourcentages. La fréquence est toujours exprimée en pourcentage. Normalement, c'est 10%, c'est 15%, c'est 30%, etc. Fréquence simple et cumulée, nous l'avons déjà fait la semaine dernière aussi. On doit cumuler. Regardez ici un exemple. La fréquence relative, j'ai dit, on divise chaque Ni par le total. Ça me donne ça. Ce chiffre qui est là, si vous le divisez par ça vous donne 53,79. Ça, c'est la fréquence relative. Vous faites le même travail pour les autres lignes. Vous divisez ce chiffre par le total. Ça vaut dans ceci, etc., etc. Fréquence maintenant cumulée. On peut la voir croissante ou bien décroissante. Alors, croissante, ça veut dire on va ajouter. Décroissante, ça veut dire on va retrancher. On va retrancher. Commençons par celle-là. Je fixe la première valeur qui est là, de la fréquence, 53,79. Je la fixe, je la mets et j'ajoute. J'ajoute la valeur suivante qui est 29,27. Ça me donne 53, ceci, plus 29, ça me donne 83,07. J'ajoute les chiffres suivants, plus 7,5, 83,06, plus 7,5, ça me donne 100. C'est le cumulé croissant. Plus la valeur suivante, 6, 10, ça me donne ceci. Plus 3, 34, ça me donne 100. Donc, dans le cumulé croissant, on ajoute.
Ici, on va retrancher. Je fixe le 100. Normalement, ici, on a un total de 100. De cette colonne, on a un total de 100. Je fixe le 100 et je retranche les valeurs de la fréquence. Je retranche les valeurs parce que c'est décroissant. Je retranche. Je retranche de 100 la valeur de 53,79. Ça me donne ça. Je retranche 29,27. Ça me donne ça. Je retranche la valeur suivante. Ça me donne 16. Je retranche 6,10. Ça me donne ça. 9,44, etc. Voilà. Alors, dans les fréquences cumulées croissantes, on ajoute les fréquences relatives. Dans les cumulés décroissants, on retranche les fréquences relatives. Tout ça, c'est déjà fait la semaine dernière. C'était juste une petite révision pour ceux qui étaient absents. S'il vous plaît, je vous demande d'être toujours présent si vous voulez vraiment maîtriser cette matière. Ça, c'est un autre exemple. Vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. On passe maintenant au chapitre deuxième. Les représentations graphiques, c'est-à-dire comment tracer les schémas. Quel type de schéma on peut faire et comment quand on a un tableau qui est chiffré. Comment on peut faire le schéma et quel type de schéma? Alors, quand la variable, caractère, ça veut dire la variable, elle est discrète, on a deux types de schémas. Soit on trace le diagramme en battant, soit on peut tracer le schéma cumulatif. Quand on dit diagramme, ça veut dire schéma. D'accord? Diagramme veut dire schéma. On peut faire un schéma en battant ou bien on peut faire un schéma cumulatif lorsque le caractère, c'est-à-dire la variable x, est discrète. Quand la variable est continue, quels sont les types de schémas possibles? On peut faire l'histogramme, on peut faire le polygone des fréquences et continue. On peut faire d'autres types de schémas. Je passe maintenant, quand la variable est discrète, on va faire le premier schéma qu'on appelle diagramme en battant. Quand la variable est discrète, on avait dit, on peut faire ce qu'on appelle un schéma en battant. Voilà un exemple. Et on vous dit, tracez un schéma en battant. N'oubliez pas, on est maintenant en train d'étudier les schémas. Comment tracer les schémas? La variable est discrète. Voilà l'exemple. Et on veut tracer un schéma en battant. Alors, comment? Voilà le schéma. Je n'ai pas la suite, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, voilà l'exemple que je viens de vous montrer. Et voilà le diagramme en battant. Pourquoi en battant? Parce qu'il se présente. Pourquoi on l'appelle diagramme en battant? On l'appelle diagramme en battant parce qu'il se présente sous forme de battant. Regarde. On a cinq battants. Voilà le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc c'est un diagramme représenté sous forme de battant. OK? Alors comment on l'a tracé? Je vais vous montrer comment. Je prends. En principe, pour tracer un schéma, j'ai besoin de deux axes. Voilà l'axe des X et voilà l'axe des Y. OK? Je trace deux axes. Les valeurs de X qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5, je les porte sur l'axe des X. OK? Les voici. Les valeurs de Ni qui sont là, je les porte sur cet axe. Je note Ni. Ou bien je peux porter la valeur de la fréquence. Ou bien FI. Moi, j'ai choisi NI, c'est facile. OK? Je prends les valeurs de NI. On a 30, 31, 29, 11, 6 et 3. Je porte ces valeurs ici, les voici, dans l'ordre. Alors, normalement, pour chaque valeur de X, il y a une valeur de NI. Pour 1, on a une hauteur de 34. 31, c'est un 31, c'est un 1, je pense. 31. Regardez, pour 1, je trace mon premier bâton jusqu'à la valeur 31. Voilà, j'ai tracé mon premier bâton. Pour la valeur suivante, pour x égale 2, je trace, je prends la hauteur 29.
Pour la valeur 2, voilà 2, je trace un bâton jusqu'à la hauteur 29. Voilà 29. Pour la valeur 3, je trace un troisième bâton pour une hauteur de 11. Pour x égale 3, voilà 3, je trace le bâton jusqu'à la valeur 11. Voilà 11, ça s'arrête là, voilà, etc., etc. Donc on appelle ce schéma diagramme en bâton. D'accord? On a terminé avec ce type de schéma. Si on vous donne un tableau statistique avec une variable discrète comme ça, et on vous dit tracez le schéma, vous pouvez tracer celui-là. Ça s'appelle le diagramme en bâton. Alors, on passe vers maintenant un autre type de schéma possible. Voilà. On passe vers ce qu'on appelle le diagramme cumulatif. Ça s'appelle le schéma cumulatif ou bien diagramme cumulatif. La variable x, elle est discrète, regardez. Elle est discrète. Et on vous dit tracer le diagramme cumulatif. Eh bien, je dois d'abord chercher la fréquence, calculer. Normalement, on vous donne ces deux premières colonnes, pas plus. XI et le NI. L'exercice se compose de deux colonnes, les voici. Et on vous dit chercher diagramme cumulatif, vous êtes obligé de calculer cette colonne et celle-là. C'est-à-dire une colonne qui représente les fréquences, une colonne qui représente les fréquences cumulées. Je calcule les fréquences comme d'habitude. Je divise chaque NI par le total de la colonne. OK? Alors, je vais essayer de voir quel est le total de la colonne sur mon manuel qui est devant moi. Ou bien vous faites vous-même le total de la colonne. D'accord? Je cherche la page qui va avec ça. L'exercice.
On va commencer encore ce cours. Il y avait un problème de connexion. J'espère que vous suivez. Alors, on va donc démarrer ce cours, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je suis désolée, il y avait juste un problème de connexion. C'est pourquoi le cours s'est arrêté. Maintenant que la connexion a repris, on va pouvoir continuer notre cours. Alors, on était en train de parler des diagrammes possibles qu'on peut tracer, n'est-ce pas? Alors, le diagramme cumulatif, les types de schémas que l'on peut faire. On était à quel niveau, s'il vous plaît, tout à l'heure? On a expliqué quoi, en fait? Alors, lorsque la variable était discrète, on a dit on peut tracer le diagramme en battant. Regardez, le diagramme en On a battant. expliqué le diagramme en bâton. Ah, je sais, on l'a expliqué. Alors, on passe à la suite. On passe à la suite. C'est pas grave. Diagramme maintenant cumulatif. Je reviens sur l'autre page. Diagramme cumulatif, attendez, le voilà. Alors j'avais dit, pour tracer un diagramme cumulatif, il faut d'abord chercher la fréquence et les fréquences cumulées. Vous êtes obligé. Parce que, une fois que vous calculez la fréquence et la fréquence cumulée, vous allez vous servir de cette colonne et de la dernière pour tracer le diagramme cumulatif. Vous avez besoin des valeurs de x et des valeurs qui sont là. Alors voilà le schéma, ce que ça donne. Là, les valeurs de x, je les porte sur l'axe des x et les valeurs des fréquences cumulées sur l'axe des y. D'accord? Ça, c'est sur l'axe des y. Regardons le schéma, ce que ça donne. Voilà. Les valeurs de x sont là. 1, 2, 3, 4 et 5. Les valeurs des fréquences cumulées sont là. 0, 15, 0, 35. 0,82, 0,94. D'accord? Alors, je trace le diagramme cumulatif. On me dit de 1 à 2, x prenant la valeur jusqu'à 2. Attendez, je regarde mon manuel. Veuillez m'excuser. De 1 à 2, c'est 0,15. Je trace le premier segment. Le voici. De 1 jusqu'à 2. Voilà le premier segment par rapport à 0,15. On me dit dans le tableau statistique de 2 à 3, lorsque x varie de 2 à 3, j'ai une fréquence cumulée de 0,35. Voilà le segment qui va avec. Toujours dans chaque segment, il est ouvert à gauche, fermé à droite. On le fait de 3 à 4. J'ai une valeur de fréquence cumulée de 0,82. Je trace le troisième segment. C'est ouvert à gauche toujours, fermé à droite par ce petit rond. Etc., etc. Voilà, tout ça s'appelle le diagramme cumulatif. Et c'est lorsque la variable est discrète que vous pouvez faire ce diagramme cumulatif. D'accord? Alors, récapitulons, lorsque la variable est discrète, deux types de schémas sont possibles, soit le diagramme en bâton, soit ce diagramme-là qui s'appelle diagramme cumulatif. On dit diagramme ou bien schéma, schéma cumulatif. Bien, on avance. Maintenant, on passe au deuxième titre. Lorsque la variable est continue. Pardon, quoi? Normalement, FI minuscule, c'est un I sur N Oui, c'est la fréquence majuscule. relative. Et Non. FI, Et F oui, majuscule, et c'est la cumulé, fréquence. d'où il vient? Ah, je reviens sur le tableau. D'accord, regarde. Tout ça, je l'ai expliqué la semaine dernière. Vous étiez présente?
la semaine dernière. Vous êtes présente? Je récapitule, regardez. Non. Là, le futur, eh ben, ça se comprend. J'ai expliqué la différence entre FI minuscule et grand F majuscule. FI, c'est la fréquence ici. Je divise le NI par le total qui est là, le total de toute cette colonne. OK? Ça me donne 0,15. C'est la fréquence relative. Alors que là, c'est cumulé. Comment? Je fixe, par exemple, bon, là, je ne peux rien cumuler. Il n'y a pas de valeur avant. Je mets toujours un 0 et je fixe la première valeur 0,15. La voilà, 0,15. Je la fixe et j'ajoute 0,15 plus 0,20. Ça me donne 0,35. J'ajoute 0,15 plus 0,20, c'est 0,35. Parce que c'est cumulé, on ajoute 0,35, j'ajoute la fréquence. Plus 0,47, ça me donne 0,82. 0,82 plus 0,06, ça me donne ça. Vous avez compris? Là, ce sont les Oui, fréquences. merci. Très bien. Et on a tracé, pour pouvoir tracer le diagramme cumulatif, je prends les valeurs de x et je prends les valeurs de grand F de x, les fréquences cumulées, ces valeurs qui sont là, que je porte sur l'axe des y. Et ça m'a donné ce schéma suivant. Voilà le diagramme cumulatif. OK? Bien. On passe maintenant vers Voilà, le merci. caractère. Je vous en prie. On continue. On passe lorsque la variable est continue. Caractère continu. C'est-à-dire la variable, elle est continue. Quels sont les schémas qui sont possibles? J'ai noté ici, on peut tracer soit un histogramme, soit ce qu'on appelle le polygone des fréquences, soit encore la courbe des fréquences cumulées. Donc, trois types de schémas sont possibles. Vous choisissez. Moi, je vais vous l'expliquer. Et le jour de l'examen, soit on vous dit tracer l'histogramme, soit on vous dit tracer un polygone des fréquences, soit on vous dit tracer la courbe des fréquences cumulées. Soit on vous dit rien, et à ce moment-là, vous allez choisir soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Vous allez choisir. On commence par le premier cas, l'histogramme. Comment on trace un histogramme? Un histogramme, comme je l'ai noté ici, lisons, un histogramme, c'est un ensemble de rectangles continus. C'est un ensemble de rectangles. Alors, c'est ce qu'on va voir. On va prendre un exemple et on va tracer l'histogramme. Voilà. Voilà mon exemple. X varie entre 10 et 15, entre 20, entre 15 et 20, etc., etc. Avec l'effectif, le voici. Et on vous dit, tracez l'histogramme. Alors, avant de tracer l'histogramme, regardons le titre, s'il vous plaît. Je sais pas. Voilà, on vous dit. Alors, le titre, il est en bas, il n'est pas bien clair. Ah, regardez. L'histogramme, et on vous dit, premier cas, classe d'amplitude égale. On est dans le cas O. Dans l'exemple qu'on va prendre, les classes sont d'amplitude égale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir. J'agrandis l'image. Voilà. Vérifions si on a la même amplitude, comme il est montré dans le titre. De 10 à 15, on a une amplitude de combien? De 5. On fait la différence entre les deux chiffres. De 15 à 20, on a une amplitude de combien? De 5. Oui ou non? 20 moins 15, c'est 5. La même chose ici, c'est 5. La même chose, c'est 5. 35 moins 30, c'est 5. On a à chaque fois la même amplitude. Lorsqu'on a la même amplitude, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. On va directement tracer ce schéma qui s'appelle histogramme. Alors, comment? Les valeurs qui sont là, je les porte sur l'axe des x. On a 10, on a 15, on a 20, 25, 30, 35, 40. Voilà. Toutes les valeurs sont sur cet axe. Bien. Les valeurs de i, je vais les porter sur l'axe des y. 7, 6, 4, 2, 1, tout ça, c'est là. Dans l'ordre, bien entendu.
et je trace chaque rectangle. On avait dit, l'histogramme, c'est un ensemble de rectangles continus dans la définition. Eh bien, de 10 jusqu'à 15, on a une hauteur de 5. De 10 jusqu'à 15, voilà, c'est noté. La hauteur de 5, ça s'arrête ici, 5. Je trace ce premier rectangle. Le voilà. Le deuxième rectangle, comment je le trace? On me dit, de 15 jusqu'à 20, c'est une hauteur de 7. OK. Eh bien, de 15 jusqu'à 20, c'est là. 15 à 20. La hauteur de 7, c'est noté 7. Voilà la hauteur. Je trace ce deuxième rectangle. Et je fais le même travail pour le reste. 20 à 25. Voilà le troisième rectangle. 20 à 25. La hauteur de combien? On me dit 6. Voilà 6 qui est là. Je reprends ce chiffre. Voilà la hauteur 6. Et je retrace ce rectangle. Et je fais le même travail jusqu'à terminer tous les rectangles. Donc, l'ensemble des rectangles forme ce qu'on appelle un histogramme. C'est un schéma qui s'appelle histogramme. Lorsque, n'oubliez pas, on est dans le premier cas, les amplitudes de classe sont égales. D'accord? Les amplitudes ici sont égales. On passe maintenant au deuxième cas où les classes sont d'amplitude inégale. On va lire. Avant de construire l'histogramme, ça veut dire qu'on ne doit pas construire tout de suite l'histogramme. Avant de construire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut corriger l'effectif. Alors, pour corriger l'effectif, alors on doit ajouter une colonne ou bien calculer une colonne qui s'appelle DI. DI, c'est la densité. On doit ajouter une colonne dans le tableau qui s'appelle la densité. Alors, on va voir comment à travers un exemple. Voilà. Non, pas ça. Désolé. Je reviens sur l'autre page. Dans ce cas, je dois rétrécir l'image, ne pas l'agrandir pour, voilà, pour avoir le deuxième cas. Voilà, regardez. Classe d'amplitude inégale. Voilà l'exemple. La variable est continue. On vérifie les amplitudes. Normalement, dans le titre, elles sont inégales. Elles ne sont pas égales. L'amplitude entre 10 et 20, elle est de 10. Vous faites la différence entre les deux chiffres, ça me donne 10. L'amplitude ici, entre 20 et 40, c'est 20. La différence, elle est de 20. La dernière ligne, la différence entre 100 et 60, c'est 40. Qu'est-ce qu'on constate ici dans cette colonne d'amplitude? On n'a pas la même amplitude. Des fois c'est 10, des fois c'est 20 et des fois c'est 40. Quand on n'a pas la même amplitude, on est obligé de calculer les DI, comme je l'ai dit dans le cours. On calcule cette colonne pour pouvoir tracer un schéma qui s'appelle histogramme. On doit ajouter cette DI. Par définition, le DI, par définition, on divise NI par AI. On divise NI par AI. Voilà, on divise D, alors on divise, j'ai dit NI, le 20 par AI qui est 10. Je divise 30 par 20. J'applique cette formule, hein? OK? Je divise NI, 20 par AI qui est 20. Ça me donne ces chiffres. Alors ce sont ces chiffres qui sont là, que je vais porter sur l'axe des Y et les valeurs de X sur l'axe des X. Donc, pour tracer l'histogramme, j'ai besoin de la première colonne et de cette dernière colonne des DI. J'étais obligé de calculer DI parce que les classes sont d'amplitude inégale. Ici, elles sont inégales, je calcule ça. Donc, je trace deux axes, je porte ces valeurs sur X. Et ces valeurs qui sont là sur Y. C'est ce que je vais faire. Voilà mon histogramme. Vous voyez? Les valeurs de X sont là, sur cet axe. Les valeurs de DI, ici. Alors, regardons
Regardons le schéma. Essayons de voir comment on la trace. Alors, regardez. On a la première tranche ici, les valeurs de x là, c'est de 10 à 20. On a de 10 à 20 ici. On a un di de 2. Di, il est de 2 ici. Voilà la valeur 2. Je trace mon premier rectangle. Le voilà. Vous suivez? Le deuxième rectangle. X varie entre 20 et 40. Regardez le tableau statistique. On a X varie entre 20 et 40. La densité, elle a une hauteur de 2, c'est-à-dire 1,5. Là, c'est 1,5. DI de 1,5, la hauteur de 1,5. Je trace le deuxième rectangle. Le troisième maintenant. X varie entre 40 et 60. On a 40 jusqu'à 60. Ici, une hauteur de combien dans mon tableau? DI, il est de 1. On a une valeur 1 ici. Je trace ici mon troisième rectangle. Le dernier rectangle, de 60 à 100, 60 jusqu'à 100, on a une hauteur de 0,25. Ici, c'est noté 0,25. Voilà la hauteur de 0,25. Alors, tout le schéma, ça s'appelle histogramme. Mais attention, il faut toujours vérifier l'amplitude. Quand elle est inégale, vous calculez la densité et vous portez les valeurs de la densité dans cet axe qui est là. Et à ce moment-là, vous pouvez tracer l'histogramme. C'est compris? J'espère que vous avez compris. Bien. On passe maintenant vers un autre type de schéma qu'on appelle polygone des fréquences. Polygone des fréquences. Voilà. Polygone des fréquences. Là aussi, on a deux cas. Il faut vérifier pour x, est-ce que les amplitudes de classe sont égales ou bien inégales. D'accord? Et pour tracer le polygone des fréquences, on doit d'abord tracer l'histogramme, ensuite le polygone des fréquences. Le polygone sous forme d'une courbe. Il est sous forme d'une courbe, c'est ce qu'on va voir. Alors, premier cas, classe d'amplitude égale. Alors, premier cas, classe d'amplitude égale. Là, c'est égal. OK. Voilà l'exemple. Est-ce qu'on a la même amplitude? D'après le titre, on nous dit amplitude égale. C'est vrai. De 10 à 15, c'est une amplitude de 5. 15 à 20, c'est une amplitude de 5. Vous faites la différence entre les deux chiffres. 20 à 25, c'est 5. Donc, à chaque fois, on a 5. Donc, on a la même amplitude. Alors, on peut tracer sans problème le polygone. C'est ce qu'on va voir. Regardez le schéma. Alors, le polygone, c'est cette courbe qui est là. Regardez. C'est cette courbe. On trace d'abord l'histogramme, comme d'habitude. Je vous ai montré comment tracer l'histogramme, n'est-ce pas? Je vous ai montré comment tracer l'histogramme. On prend le milieu de chaque segment de l'histogramme. Le milieu ici, le milieu ici, le milieu ici. Je marque un point. Je marque un point au milieu. Je marque un point dans ce rectangle. Je marque un point dans ce rectangle. Le milieu. Et puis, je joins par une courbe tous ces milieux que j'ai marqués par des points. Là, c'est une courbe. C'est une courbe qui s'appelle polygone des fréquences. Il s'appelle Poly. S'il vous plaît, si vous voulez me poser une question, vous me l'envoyez sous forme de message. Je peux lire votre message et répondre oralement à votre message. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ou bien si vous voulez me poser une question, vous la faites sous forme de message et moi, je vous réponds oralement. Alors, je reviens sur le cours. Ce schéma sous forme de courbe,
On l'appelle polygone des fréquences. Récapitulons, s'il vous plaît. On a des classes d'amplitude égales, n'est-ce pas? On doit d'abord tracer l'histogramme sous forme de rectangle. Le voici l'histogramme. Ensuite, prendre le milieu de chaque segment de ce rectangle. Milieu, milieu, milieu. Et joindre les milieux par une courbe. Cette courbe, ça s'appelle polygone des fréquences. Vous voyez comment on trace un polygone des fréquences? C'est une courbe. On passe maintenant vers le deuxième cas. C'est là. Classe d'amplitude inégale. C'est le deuxième cas. Pour tracer toujours un polygone des fréquences. Alors, regardez, lisez d'abord ce que vous avez devant vous. Lisez ce que vous avez devant vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On peut également tracer un polygone des fréquences, mais en prenant soin d'abord. Voilà les étapes qu'il va falloir respecter. Pourquoi? Parce que les classes sont d'amplitude inégale. Regardez. 10 à 20, on a une amplitude de combien? Regardez l'amplitude, j'ai noté A et l'amplitude. Amplitude de 10. 20 à 40, amplitude de 20. 40, 60, c'est 20. 60 jusqu'à 100, amplitude 40. On n'a pas la même amplitude. Regardez la colonne. C'est pourquoi on est obligé de d'abord calculer la densité. OK? Regardez ce que j'ai noté, les trois étapes. Lorsque les classes sont d'amplitude inégale, c'est le cas dans cet exemple. D'abord, j'ai noté, il faut déterminer l'amplitude. Voilà la colonne qui est là. Ces étapes, ces trois étapes, vous devriez les respecter d'abord pour pouvoir tracer le polygone, le schéma. Vous êtes obligé de passer par ces trois étapes parce que les classes sont d'amplitude inégale. Je calcule cette colonne, c'est la première étape. Deuxièmement, on vous dit, il faut calculer la densité. Voilà, la deuxième étape. J'ai respecté la deuxième étape. J'ai calculé la densité par la que j'ai ici. Troisièmement, je peux tracer le polygone des fréquences. Mais bien entendu, il faut d'abord tracer l'histogramme. Il faut d'abord tracer l'histogramme. Voilà le schéma qui le montre. Voilà le schéma de l'exemple. J'ai pris les valeurs de x qui sont là. Sur l'axe des x, ici, je le porte ici. J'ai pris les valeurs de DE qui sont là et je les porte sur l'axe des y. Je trace d'abord l'histogramme sous forme de rectangle. Je prends le milieu, je marque des points au milieu des segments et je trace la courbe qui s'appelle polygone des fréquences. Voilà la courbe. Vous voyez, lorsque les classes sont d'amplitude inégale, on ne trace pas directement le schéma. Il faut d'abord respecter les trois étapes ici, c'est-à-dire, j'ai ajouté une colonne qui représente l'amplitude, calculer cette densité, tracer l'histogramme et ajouter en plus le polygone qui est cette courbe qui est là. J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Bien, on Oui, continue. madame. Très bien, merci de m'avoir répondu, mademoiselle. Vous êtes gentille. Au moins, ça me rassure qu'il y a quelqu'un qui suit et qui répond à mes questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, d'accord? Et je vous conseille de suivre régulièrement mes cours parce que c'est difficile de rater une séance et de pouvoir suivre le cours la semaine prochaine. Il faut suivre les cours régulièrement. Si vous voulez vraiment maîtriser et valider cette matière. Je continue, s'il vous plaît. Lorsque la variable est continue, on peut aussi tracer ce qu'on appelle les courbes des fréquences cumulées. Alors, jusqu'à présent, on a vu deux types de schémas quand la variable est continue. Premièrement, l'histogramme. Deuxièmement, le polygone des fréquences. Et maintenant, troisièmement, la courbe
des fréquences cumulées. Alors, on va prendre un exemple et je vous montre comment tracer cette courbe. C'est ce qu'on va voir. Je vais essayer de vous envoyer ce cours sous forme de fichier, si vous voulez le revoir. D'accord? On travaille. On a deux exemples ici, en fait. Soit on peut travailler avec ce tableau, soit avec celui-là, en termes de fréquence. Attends, je travaille avec celui-là, en termes de fréquence. Regardez ce tableau bien. Regardez. On a calculé la fréquence. On a calculé la fréquence cumulée croissante. Ensuite, fréquence cumulée décroissante. Alors, regardez. Je répète. Dans ce tableau qui est devant vous, on a cherché la fréquence relative, c'est Fi minuscule. Ensuite, F majuscule, fréquence cumulée, soit croissante, soit décroissante. Vous avez compris comment on fait ça? Je l'ai expliqué la semaine dernière, comment calculer ces deux dernières colonnes. Est-ce que vous avez compris? Regardez, je répète. Oui, madame. Pour tout le monde, j'espère, pour tout le monde. Regardez, je répète. La fréquence relative, je la calcule en divisant chaque Ni, ici, par ce total. Ça me donne cette colonne qui est là. D'accord? La suite. La fréquence cumulée, c'est-à-dire je dois ajouter, je fixe la première valeur, la voilà. La valeur qui est là, je la reprends ici et j'ajoute. J'ajoute celle-là, ça me donne celle-là. J'ajoute la valeur suivante, ça me donne celle-là. Vous ajoutez à chaque fois une fréquence relative, ça vous donne ceci. Pour la dernière colonne, je prends le maximum qui est 1, je le fixe, je le porte ici et je retranche. Parce que c'est décroissant, je retranche. Je retranche les fréquences relatives. Je retranche 0,13, ça me donne ça. Je retranche 0,87, la valeur qui est là, ça me donne ceci. Et je retranche à chaque fois, ça me donne cette colonne. Bien. Une fois que j'ai calculé ces colonnes qui sont là, les trois dernières, je peux tracer les courbes. Alors, pour tracer la première courbe, j'ai deux courbes à tracer. Une courbe par rapport aux fréquences cumulées croissantes et une courbe par rapport aux fréquences cumulées décroissantes. J'ai deux courbes à faire. Alors, je dois tracer deux axes. Un premier axe avec les valeurs de x sur l'axe des x et un deuxième axe, l'axe des y, avec les valeurs qui sont là. Alors, regardons le schéma. Voici le schéma. Voilà, regardez. Les valeurs de x sont là. Regardons. Je prends mon manuel qui est entre mes mains. Voilà le schéma. Normalement, il faut avoir le tableau statistique devant vos yeux pour pouvoir tracer la courbe. On vous dit de 10 à 20, de 10. Alors, voilà la courbe. Ce qui est en bleu, c'est la courbe des fréquences cumulées croissantes. Elle augmente. Vous voyez, c'est une courbe qui augmente. C'est la courbe des fréquences cumulées croissantes. Ça augmente. La deuxième, c'est la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Elle diminue. Elle est décroissante, vous voyez? Je commence par la première courbe, celle-là, en bleu. Comment je l'ai tracée? Elle est croissante. Eh bien, je prends les valeurs des fréquences cumulées croissantes qui sont sur le tableau statistique. Je porte ces valeurs qui sont là, 0,13, 0,47, d'après mon tableau. Les valeurs sont là. Bien. Les valeurs de x sont ici. Alors, comment tracer le premier point? De 10 à 20. De 10 jusqu'à 20, j'ai la valeur de 1. Là, non, attention, croissant, c'est 0,13. De 10 à 20, c'est 0,13. Je marque mon premier point ici. Je marque un point. La deuxième valeur, de 20 à 30,
de 20 à 30, j'ai la fréquence cumulée croissante dans mon tableau statistique de 0,87. 0,87, ça doit être très haut ici. Je marque un deuxième point ici. Une valeur de 30 à 40, de là à là, 30 jusqu'à 40, j'ai la valeur de 0,53. 0,53, ça doit être un truc ici, un point ici. Et vous continuez, vous représentez tous les points. Et vous allez joindre les points par cette courbe qui est là. Tous les points, je les joins par la courbe. La courbe des fréquences cumulées croissantes. Voilà. Je fais le même travail pour l'autre courbe, mais je travaille avec la colonne de mon tableau où c'est marqué les fréquences cumulées décroissantes. Décroissantes. Je marque tous les points. Pour chaque X et il y a un point ici. Et je trace ma courbe des fréquences cumulées. Je joins les points. Ça me donne cette courbe. Alors, en principe, ce cours, je vais vous l'envoyer par fichier. Il va falloir le revoir chez vous et vous essayez de refaire ce schéma chez vous. D'accord? On a terminé avec les graphes. Madame. Merci beaucoup de me confirmer ce que je dis. Merci, mademoiselle. Alors, on a vu donc jusqu'à présent trois types de schémas possibles quand la variable est continue. Soit l'histogramme, premièrement l'histogramme. Deuxièmement, on a vu le polygone des fréquences. Et troisièmement, on a vu cette courbe qui représente les courbes des fréquences cumulées. Soit croissante, soit décroissante. Donc, trois schémas. On a terminé avec ceci. On va pouvoir aller vers ce qu'on appelle les graphiques spécifiques. Alors, s'il vous plaît. Vous aurez rarement l'occasion de les voir quand on fera des exercices. Mais juste, il faut savoir qu'il existe, que ce genre de schéma existe. On dit spécifique ou bien spécial. Ça veut dire ils sont rares. Premièrement, il y a le graphique à échelle logarithmique. On doit représenter les valeurs sous forme de log. On ne va pas le faire. Vous le lisez chez vous si vous voulez, c'est tout. Et vous ne l'aurez pas le jour de l'examen. Vous voyez les valeurs que vous avez là? Le chiffre d'affaires 14,1, 20, 28,3, vous les représentez en termes de log. Et le schéma, il est comme ça. Les axes en termes logarithmiques. On ne va pas le faire et vous ne l'aurez pas le jour de l'examen, donc ce n'est pas la peine. Juste vous le lisez chez vous. Là, vous aurez ce qu'on appelle le diagramme polaire. Vous avez les mois et les chiffres. Le diagramme polaire se présente comme ça. Ça aussi, on ne va pas le faire. Ah, sur l'autre page, pardon, sur l'autre page. Voilà le diagramme polaire. Il se présente ainsi. Vous avez les mois et vous avez les chiffres. Donc, il se présente ainsi. On ne va pas le faire non plus. Il faut juste que vous sachiez que ça existe ce genre de schéma, ce schéma. Mais celui-là, on va le faire. Regardez. On l'appelle diagramme circulaire. Diagramme circulaire. Voilà un exemple. Je vous montre comment tracer. Il se présente sous forme d'un cercle. Pourquoi on l'appelle diagramme circulaire? Parce qu'il se présente sous forme d'un cercle. Circulaire, ça veut dire cercle. Voilà le cercle. Prenez votre compas. Ou bien à la main, vous tracez un cercle. Pas forcément avec un compas. Vous pouvez tracer un rond sous forme d'un cercle. Voilà le cercle. OK? Voilà l'exemple. Je vous donne la méthode la plus facile. Alors, voilà l'exemple. On vous donne les différents niveaux de diplôme. Soit vous êtes en première année, soit vous êtes en DEUG, soit vous êtes en deuxième année. Soit vous avez un niveau de licence, soit un niveau de master, soit un niveau de doctorat. Et voilà dans l'université l'effectif.
Ceux qui ont la première année, on a un effectif de 650. 650 étudiants en première année. Ici, par exemple, en master, on a 52 étudiants. Ceux qui ont la licence, on a 148 étudiants. Ici, on calcule la fréquence. Pour pouvoir tracer le cercle, le schéma, on doit chercher la fréquence relative. 650 divisé par le total, ça vous donne 0,48. Le même travail que tout à l'heure. On divise chaque NI par ce total. Ça me donne cette colonne qui est là. On peut tracer le schéma rien qu'avec ces deux colonnes qui sont là. Alors, on va se servir de XI, le diplôme, et de la fréquence. Regardons le schéma, qu'est-ce qu'il donne. Voilà le schéma. Je trace le cercle, OK? Et je représente le pourcentage dans ce cercle. Par exemple, ceux qui sont en première année, ils représentent 0,48, c'est-à-dire 48%, presque 50%. 0,48, si j'arrondis, ça me donne presque 50%. Alors, je représente la moitié du cercle parce que tout le cercle, c'est 100%. Tout le cercle, c'est 100%. La moitié, c'est 50 ou bien 48. Ce qui est en bleu, c'est 48%. J'ai noté ici 48%. Je vais aller vers le schéma. Ah non, je n'arrive pas à l'avoir. Donc, je suis obligée d'aller vers l'autre page. Voilà. Alors, la première année, ici, 48%. Voilà, je l'ai représenté en bleu. L'année suivante, le DEUG. Le DEUG, c'est, on me dit, 0,22%, c'est-à-dire 0,22%, c'est 22%. 22% en mauve. L'autre moitié du cercle, je la représente en pourcentage. Là, c'est 22%. Je la partage proportionnellement au pourcentage. 22%, c'est là. En jaune, c'est les 16% deuxième année. Deuxième année, 16%. Je la présente en jaune. Ensuite, la licence, 11%. C'est là. Et la petite valeur qui est là, 0,03, c'est 3%. Je la représente ici. Donc, chaque surface est proportionnelle au pourcentage que j'ai. Donc, voilà mon diagramme circulaire. Donc, c'est un cercle dont je répartis les surfaces pourcentage que j'ai ici. On a terminé. On ne fera pas les schémas suivants. Pas la peine. Vous les lisez juste chez vous. Je vais vous envoyer le fichier plus tard. Il y a ce qu'on appelle le diagramme en barre. Il y a ici le tuyau d'orgue. On ne va pas faire tout ceci. Ce n'est pas la peine. Et on avance dans le cours. OK? On avance. On a terminé avec ce chapitre qui porte sur les schémas. OK? On a terminé avec le chapitre qui porte sur les schémas. On passe vers autre chose, la deuxième partie du programme. Partie 2. On a terminé avec la première partie en plus. Dans la première partie, je récapitule, on a vu deux schémas, on a vu deux chapitres. Un chapitre sur les tableaux statistiques, comment présenter un tableau, et le deuxième chapitre sur les schémas. Alors maintenant, on va pouvoir démarrer la deuxième partie. C'est celle-là. Les traitements des séries à un seul caractère. Chapitre 1, indicateur de tendance centrale ou de position. Lisez ceci, c'est ce on va étudier. Il y a les moyennes, il y a le mode, il
il y a la médiane et il y a les quantiles. Ce sont ces quatre points que nous allons voir aujourd'hui. OK? Quatre points que nous allons voir. On va commencer par le premier point qui est quoi? La moyenne, les moyennes. Il y a différents types de moyennes. On va commencer par les moyennes. Alors, vous lisez ceci, vous allez le lire chez vous quand je vais vous envoyer le fichier. Le fichier, plus tard, hein? Je vais vous l'envoyer cette semaine. Alors, il y a les moyennes, c'est ce qu'on va voir. On va voir leur formule. Il y a différents types de moyennes. On commence par la moyenne arithmétique. D'accord? On la note par x bar. Là, c'est x. Et au-dessus, il y a un trait. Ça s'appelle x bar, comme celle-là. X bar. C'est la moyenne, c'est le symbole de la moyenne arithmétique. Si on vous dit calculer la moyenne arithmétique, vous prenez. D'accord? Par définition, voilà la formule. Je vous demande de retenir cette formule. C'est sigma nxi, ni qui multiplie xi, divisé par sigma ni. Là, c'est une formule en termes de ni. On peut avoir la même formule en termes de fréquence, fi. Sigma fi, fréquence, qui multiplie xi, divisé par sigma des fréquences, la somme des fréquences. Donc, je vous demande de retenir ces deux formules. Si vous avez un tableau statistique en termes de NE, j'utilise cette formule. Si j'ai un tableau statistique, j'utilise cette formule. D'accord? Bien. Alors, je commence par le cas d'une variable statistique discrète. Variable statistique discrète. Et je cherche, on vous dit, calculer la moyenne arithmétique. OK? Alors, première des choses, je dois poser ma formule. Le tableau, il est en termes de NI. Eh bien, je choisis cette première formule. Je la pose ici. X bar, c'est la moyenne arithmétique. Et je dois calculer cette moyenne. J'applique la formule. On me dit, vous calculez chaque ni par xi et vous les ajoutez. Somme, ça veut dire sigma, ajouter. Je multiplie chaque ni par xi. Je multiplie 1 par 22. Là, voilà. Je multiplie ni par xi plus, parce qu'on me dit sigma, plus 2 fois 31. Là, voilà. Plus 3 fois 20. Là, voilà. Plus sigma, plus 4 fois 11, plus 5 fois 4, plus 6 fois 1. J'ai appliqué sigma ni fois xi. C'est ce qu'il y a là au numérateur de cette fraction. Vous voyez? Je dois diviser par le sigma ni, c'est-à-dire la somme de toute cette colonne. Vous pouvez prendre votre calculatrice et vous faites la somme de toute cette colonne. Faites-le si vous voulez. Si vous avez une calculatrice devant vous, vous faites la somme. 22 plus 31 plus 20 plus 11 plus 4 plus 1, ça s'appelle sigma ni. Ça me donne 89. Compris? La somme, on me dit dans la formule sigma ni, c'est-à-dire la somme de toute cette colonne qui est là. Quand je fais la somme avec ma calculatrice, ça me donne 89. Je fais les calculs, ça me donne 2,4. La moyenne arithmétique, en appliquant cette formule qui est là, ça m'a donné 2,4. N'oubliez pas, on est le cas d'une variable qui est discrète. X, elle est discrète ici. Elle prend des valeurs absolues. On va voir
Dans le deuxième cas, c'est le cas ici. Ah, il est là, cas de variable statistique dit continue. Et on va voir, on va vous demander, cherchez la moyenne arithmétique. C'est ce qu'on va voir. Voilà l'exemple. Normalement, l'exercice, on vous donne juste les deux premières colonnes. Et on vous dit, cherchez la moyenne arithmétique. D'accord? Dans l'exercice, on vous donne juste cette colonne et les NI. Et on vous dit, calculez la moyenne arithmétique. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la variable, elle est continue, X. On est dans le cas où X est continue. Alors, moi, je vous dis, quand la variable est continue, vous êtes obligé d'ajouter ces deux colonnes qui sont là. Ah, il faut calculer ce qu'on appelle le centre de classe CE. Vous êtes obligé de calculer ce qu'on appelle le centre de classe CE. Comment on calcule alors ce centre de classe? Cette colonne qui est là, comment on l'a calculée? Eh bien voilà, vous mettez 20 plus 25, le tout divisé par 2. 20 plus 25, c'est 45, n'est-ce pas? 45 divisé par 2, ça vous donne 22,5. C'est le centre de classe. De 25 jusqu'à 30, comment chercher le centre de classe qui est là? Je mets 25 plus 30 divisé par 2. 30 plus 25, ça donne combien? 55. 55 divisé par 2, ça me donne 27,5. Eh bien, vous faites le même travail. Vous cherchez le centre de classe pour chaque intervalle de classe. Vous trouverez ceci. OK? Moi, à votre place, je prendrai un stylo. Je note sur un bout de papier. On est sur la page 27. On cherche CI. Et je prends un exemple, je mets 20, avec mon stylo, j'écris sur un bout de papier, 20 plus 25 divisé par 2 égale 22,5. C'est le centre de classe. Parce que le détail, vous risquez de l'oublier. Les explications, vous risquez de les oublier. Vous mettez la même chose ici. Donc finalement, alors, voilà ce que devient ma formule. Quand la variable est continue, on ne travaille pas avec XI, mais on travaille avec CI, le centre de classe. Alors, s'il vous plaît, quand la variable XI est continue, on va devoir chercher la moyenne arithmétique, X bar, avec cette formule qui est là. J'ai remplacé XI par CI. CI, c'est le centre de classe. Donc, j'applique cette formule. Je multiplie chaque NI par le centre de classe. Je multiplie 29 par 22,5 plus, parce qu'on me dit sigma, plus 48 fois 27,5 plus 36 fois 32,5 plus 45 fois 37,5. Vous continuez jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne qui est là. Ça vous donne, si vous faites les calculs, ça vous donne ce chiffre qui est là, 11 985. OK? Vous divisez par sigma NE, c'est-à-dire le total, la somme de toute cette colonne NE. C'est 304. Je note ici 304. J'ai appliqué tout simplement cette formule qui est là. Sigma NE, c'est le total qui est là de cette colonne. C'est la somme de ça. 304, je divise, ça me donne dans ça. Si je veux maintenant interpréter cette valeur, qu'est-ce que je vais dire? Si x c'est l'âge, supposons que les classes ici c'est l'âge. X varie, l'âge varie entre 20 et 25, l'âge varie, c'est l'âge, x représente l'âge. Alors on dira, x bar c'est la moyenne, on dira que la moyenne d'âge pour les hommes est de 39 et demi, 39 ans et demi. L'interprétation de cette valeur, on dira
que la moyenne d'âge des hommes, supposons qu'on traite l'âge des hommes, la moyenne d'âge des hommes, c'est 39 ans et demi. J'arrondis 42 par 5, c'est 39 ans et demi. OK? J'espère que vous avez compris comment on calcule la moyenne quand la variable est continue. Vous voyez, la moyenne arithmétique, on a deux cas. Soit le cas où x est continu, c'est l'exemple de tout à l'heure. Je reviens, voilà. X est une variable discrète, pardon. X variable discrète, j'applique cette formule qui est là. Vous voyez, je travaille avec x et. Ou bien, deuxième cas, x c'est une variable continue. Je travaille avec les centres de classe. Et ma formule devient ainsi. Je travaille avec CI. Et je calcule la moyenne arithmétique. En multipliant chaque NI par CI, je fais la somme et je divise par ça, sigma NI. On passe maintenant vers les autres moyennes. On a terminé avec la moyenne arithmétique. On passe maintenant vers le calcul des autres types de moyennes. Les autres types de moyennes, il y a ce qu'on appelle la moyenne harmonique. S'il vous plaît, pour la moyenne harmonique, il y a un petit problème au niveau de la formule. Normalement, moyenne harmonique, je la note par H. Je prends la première lettre, H. Harmonique, c'est H. Je la note H égale. Moi, je vous demande de retenir juste la dernière formule. N qui divise sigma. Ce qu'il y a là doit être ici, en fait. C'est grand N qui divise sigma Ni sur Xi. C'est juste. Normalement, ce qu'il y a là doit être ici. D'accord? Ce qu'il y a ici doit être là. Finalement, H égale à combien? La moyenne harmonique, sa formule. C'est N qui divise sigma Ni sur Xi. Il faut retenir et apprendre cette formule. D'accord? Ensuite, on va prendre tout de suite un exemple et on va appliquer la formule. D'accord? Maintenant, on est juste en train de voir les types de moyennes qui existent aussi. Il y a donc la moyenne harmonique, voilà la formule. Ensuite, la moyenne quadratique. Je la note avec la première lettre, Q. La formule n'est pas très claire. Alors ça, c'était la moyenne harmonique. Quadratique ne figure pas ici. La quadratique, je dois aller vers l'autre page. Voilà. C'est pas trop clair, mais moi je peux vous la lire quand même. Attendez. Je vais vous la lire et vous pouvez l'écrire avec votre stylo sur un bout de papier si vous voulez. Attendez. Alors, retenez uniquement ça. C'est la racine carrée. S'il vous plaît, prenez un stylo et vous mettez, vous êtes à la page toujours 27. Et c'est la moyenne quadratique. Le titre, vous prenez le titre, la moyenne quadratique. Elle est notée par Q égale. Et vous prenez juste ce qu'il y a ici, égale la racine carrée. 1 sur grand N, 1 sur grand N, alors N qui multiplie sigma Ni fois Xi au carré. C'est le Xi au carré. Je répète. Moyenne quadratique égale racine carrée
de 1 qui divise n qui multiplie sigma ni xi carré. J'espère que vous avez noté la formule. Ça, c'est la moyenne géométrique. Pardon, quadratique, quadratique. Je passe vers la suite. Moyenne géométrique maintenant. Elle est notée par G. Alors, il y a des étapes. Ceci, cela, ça, c'est la racine carrée. Peu importe, moi je vous dis de retenir juste la dernière formule. Alors, moyenne géométrique, je la note par G, au plus encore, log G. G, c'est la moyenne géométrique. Égale. Là aussi, il y a un décalage au niveau de la formule, s'il vous plaît, parce que le fichier a été transformé en PDF et la formule a un petit peu changé de style. Normalement, s'il vous plaît, prenez un stylo, c'est égal à sigma ni qui divise. Non, c'est sigma ni fois log xi qui divise ça. C'est ça fois ça, s'il vous plaît. Avec un stylo, reprenez la formule sur un bout de papier. C'est sigma ni qui multiplie log xi, le tout divisé par sigma ni. Bon, retenez juste cette dernière formule. Si on vous dit calculer la moyenne géométrique, vous allez prendre cette formule qui est là et vous allez l'appliquer. D'ailleurs, on va faire un exemple où on va calculer toutes les moyennes. OK? OK. Alors, je passe à la page suivante. Pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé? Bon. Non, je t'ai dit, ok, madame. D'accord. Donc, voilà un exemple. Voilà un exemple. On vous dit, calculez les moyennes. Deux points. Calculez la moyenne géométrique G. On la note par G. Calculez la moyenne harmonique. Elle est notée par H. Et calculez la moyenne quadratique. Elle est notée par Q. D'accord? Généralement, dans l'exercice, on vous donne juste les deux premières colonnes. S'il vous plaît, je répète, dans la semaine, je vais vous envoyer le cours de la semaine prochaine et le cours d'aujourd'hui sous forme de fichier. D'accord? C'est un fichier. Peut-être qu'il n'y aura pas l'audio, mais en tous les cas, le cours. C'est bon? Vous allez pouvoir le lire chez vous à tête reposée. Je vous enverrai un fichier avec le cours de la semaine dernière et le cours d'aujourd'hui. Si jamais ce cours n'est pas enregistré, moi j'ai lancé l'enregistrement, mais je ne sais pas s'il sera enregistré chez vous. Bon, pour cet exercice, normalement, on vous donne juste les deux premières colonnes. C'est à vous de faire les calculs qui sont nécessaires pour chercher les moyennes qu'on vous demande. Commençons par la moyenne géométrique. Voilà la formule, tout ce qui est noté en rouge ici, 1, 2, 3, ce qui est en rouge, ce sont les formules. Là, c'est la formule de la moyenne géométrique. Là, c'est la formule de la moyenne harmonique. Et là, c'est les formules de la moyenne quadratique. Q au carré égale ça, xi carré sur ça. OK? Moyenne géométrique, moyenne harmonique, H, moyenne quadratique, Q. Alors, pour calculer la moyenne géométrique, je dois former des tables, des colonnes de calcul. C'est là. Je dois chercher log XI. Je dois multiplier, voilà la colonne, log XI. Je dois multiplier le NI par ça. Et voilà la colonne. Donc, ce qui est en rouge, c'est pour répondre à la question 1. L'objet, pour chercher la moyenne géométrique. J'étais obligée de former ces colonnes-là. J'ai besoin dans ma formule de log xi.
Voilà la colonne, je l'ai calculée. Et j'ai besoin dans ma formule de Ni qui multiplie ça. Voilà la deuxième. Donc j'ai besoin de ces deux colonnes qui sont en rouge pour répondre à la question 1. J'ai le XI, c'est le centre de classe. Voilà le XI, ça apparaît entre 20 et 40. Ici, c'est le centre de classe. OK? Le centre de classe. J'ai déjà expliqué comment calculer le centre de classe. C'est 20 plus 40 divisé par 2, ça me donne 30. Je prends ma calculatrice. OK? Je prends ma calculatrice et je cherche log XI. D'accord? Log de 30, ça me donne 1,477. Vous suivez? Vous suivez? J'ai 50. Log Oui, de madame. 50. Très bien, merci mademoiselle. Log de 50. C'est 1,600. Prenez votre calculatrice et vous faites le travail. Ça vous donne ce chiffre. Log de 70, c'est ça, etc., etc. Ensuite, la colonne suivante, et d'après ma formule, je dois multiplier chaque Ni par log XI. Eh bien, je le fais. Voilà la colonne des Ni et voilà la colonne des logs. Je multiplie 17 par ça. Ça me donne ce chiffre. Je multiplie Ni 24 par le log, sans log de XI, 1,699. Ça me donne ce chiffre. Et je fais le même travail pour toutes les valeurs. Ça me donne cette colonne qui est là. Je l'ai formée. Ensuite, on me dit la somme de toute la colonne. La somme de toute la colonne, ça me donne ce chiffre qui est là. Je le reprends ici. Je remplace donc cette formule par son chiffre, qui est 219 qui est là. C'est le sigma de toute la colonne. Je dois diviser par sigma Ni. Sigma, c'est la somme de toute cette colonne, 1,21. Je divise, je remplace sigma Ni par sa valeur. 1,21 est là par ici. Ça me donne log G égale 1,8. Alors attention, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, on a calculé le log de G. Mais moi, j'ai besoin uniquement de G. Là aussi, il va falloir passer peut-être par l'exponentielle pour retirer la valeur de G. Exponentielle log G, mathématiquement, si vous utilisez les maths, exponentielle log G, c'est égal à G, égale exponentielle de 1,8. Si vous prenez votre calculatrice, exponentielle de 1,8, ça vous donne 64,3. Parce que dans la question, on me dit calculer la moyenne géométrique, c'est-à-dire G, et non pas log de G. Donc au départ, j'étais obligé de travailler avec log G, mais ensuite, je dois tirer la valeur de G en passant par l'exponentielle. Alors, exponentielle log G, ça me donne G. Exponentielle de 1,8, ça me donne 64,3. Donc voilà. La moyenne géométrique, elle est égale à 64,3. Bien. Je passe maintenant à la deuxième question. On me dit, calculer la moyenne harmonique H. Eh bien, je commence par poser la formule que je dois apprendre. La voici. Et j'aurai besoin de quoi? De multiplier Ni. Pas de multiplier, pardon. De diviser Ni par XI, voilà la colonne de calcul, elle est là. Ce qu'il y a en bas, là, voilà le tableau de calcul. Je divise chaque Ni par XI. Voilà les valeurs de Ni et voilà le centre de classe XI. Je divise 17 par 30, ça me donne ça. Je divise 24 par 50, XI c'est le centre de classe.
24 par 50, ça me donne 1, etc., etc. Ni, non, 24. Je divise 24 par 50. Et donc, vous aurez les valeurs qui sont là. Vous faites le sigma pour le dénominateur, c'est 2, 0, 1. Sigma, ça veut dire la somme de la colonne. C'est 2, 0, 1. Je remplace EC par 2, 0, 1, le total de la colonne. Sigma Ni en numérateur, sigma Ni, c'est 121. Voilà 121. Je divise les deux valeurs, ça me donne la moyenne harmonique. Alors, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, c'est toujours poser ce qu'on vous demande, moyenne harmonique, je pose la formule, je forme les colonnes de calcul qui sont nécessaires par rapport à ma formule, ok? Je remplace chaque terme par sa valeur et je retrouve la valeur de la moyenne harmonique. Moyenne, troisième question, moyenne quadratique. Alors, s'il vous plaît, pour la moyenne quadratique, elle est notée par Q. Mais moi, je suis obligée, pour faciliter le travail, de passer par Q au carré. Parce que la formule de la moyenne quadratique, elle est notée en termes de racine carrée. Pour éviter la racine carrée, je prends le carré. Ça me donne ceci. Je forme le tableau de calcul. J'ai besoin des deux dernières colonnes que j'ai calculées. Les voici. Le produit, c'est la dernière colonne. Le total, il est là. Je le reprends ici parce que c'est la somme. C'est cette valeur qui est là. Je la reprends ici et je divise par sigma Ni, qui est 121. Là, voilà. Ça me donne ceci. Mais attention, là j'ai Q au carré. Pour avoir Q, je mets la racine de cette valeur. Q au carré égale à ça. Pour avoir Q, j'ai ma racine de cette valeur, ça me donne 73. Prenez votre calculatrice, vous prenez cette valeur, vous cherchez sa racine carrée, ça vous donne ça. Et voilà la moyenne quadratique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Q et non pas Q au carré. Q au carré, c'était juste pour faciliter le travail et les calculs, pour échapper à la racine carrée, parce que la formule de Q, elle est donnée en fonction de racine carrée. Pour éviter la racine carrée, j'ai élevé le taux au carré. Ça m'a donné ça, j'ai fait mon travail, mes deux colonnes de calcul, et ça m'a donné la moyenne quadratique en faisant la racine carrée de ça. J'espère que vous avez compris. Alors, en principe, vous pouvez aussi calculer la moyenne arithmétique x bar. Alors là, c'est une identité qu'il va falloir retenir, s'il vous plaît. Toujours, toujours, toujours. Elle doit être vérifiée à travers l'exercice que vous avez, quelles que soient les données de l'exercice. Vous avez toujours la valeur de h inférieure à la valeur de g, la moyenne géométrique, elle-même. Toujours inférieure à la moyenne arithmétique. Elle-même, toujours inférieure à la moyenne quadratique. Vérifions à travers l'exercice. La valeur de h, je l'ai remplacée. En effet, elle est inférieure à la valeur de g, moyenne géométrique 64, arithmétique 69, quadratique. J'ai remplacé chaque terme par sa valeur. Et cette relation, elle doit être toujours vérifiée, quel que soit l'énoncé de l'exercice. Et d'ailleurs, il est vérifié ici, dans notre exercice. C'est compris, j'espère. Cette inégalité doit toujours être vérifiée. S'il n'est pas vérifié, dites-vous que vous avez fait une erreur au niveau de l'exercice, au niveau des calculs. Mais sinon, il est toujours vérifié, quels que soient les chiffres de votre énoncé. Donc, j'espère que vous avez compris comment on calcule x bar, la moyenne arithmétique, comment on calcule le g, moyenne géométrique, comment on calcule le h, comment on calcule la moyenne quadratique. Moi, je vous conseille de reprendre cet exercice chez vous. Normalement, l'exercice, il est donné juste avec la première colonne et la deuxième colonne. Et vous faites tout le reste pour calculer les différentes moyennes. J'espère que vous avez compris par rapport à ça. Je pense qu'on va arrêter le cours à ce niveau-là parce que
Avec l'autre ensemble, on s'est arrêté à ce niveau-là. D'accord? D'ailleurs, il ne nous reste plus que quelques minutes, pas beaucoup, pour terminer. Avec l'autre ensemble, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, moi, j'arrête aussi le niveau. Je vous remercie pour votre attention. Il est déjà midi. Je vous remercie et rendez-vous vendredi prochain. Je rappelle comme quoi, je vais envoyer sous forme de fichier le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine dernière. Mais c'est dans la semaine, je vais le faire dans la semaine. Alors, merci beaucoup et je vous laisse partir. Je vous libère. Merci pour votre attention. D'accord? Alors, j'arrête le cours.